Salut YouTube, comment allez-vous? Bienvenue à vous pour la suite de Resident Evil 4. Let's go! Oh, ce regard ténébreux, incroyable. Léon? Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever? Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Louis? C'est qui, Louis Lane? Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Les gars, vous avez cru que j'avais oublié Louis? Vous avez dit ouf, on l'a pas oublié. Les gars, Louis never forget. C'est quoi ça? Minerai de cristal. Oh. Les gars, ça doit valoir genre une demi-couille, hein, je vous annonce. Hein. Ça va falloir une demi-couille. 14 000, c'est éclaté sa mère. Se rendre au sommet. Notre chercheur en captivité. On nous a enfermés sans prévenir. Un à un, nous sommes conduits dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils viennent d'emmener Annabelle. Je suis sûrement le prochain. Il faut que je réfléchisse, je dois garder la tête froide. Toutes les personnes infectées par le plaga sont à la merci de Lord Sadler. S'il l'ordonne, ils travailleront jusqu'à la mort avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'hôte devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour les tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plaga. Celle-ci n'a pas de capacité de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit d'injecter cette nouvelle espèce dans la fille, car elle est importante, il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Ah, les bâtards. Vous avez compris ou pas? Comme ça, elle revient, en fait, aux États-Unis et elle infecte tout le monde. Tous les tests ont réussi. Nous avons même prévu de lancer la production en masse. Un succès total. Mais on m'a enfermé. On se prépare à m'injecter une espèce supérieure dans la salle d'à côté. Annabelle n'est plus la même. Son sourire a complètement disparu. C'est elle qui était pourtant si heureuse. Écrire est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Même si personne ne lira jamais ceci. Bah si, nous on l'a lu. On l'a lu et on aime bien. J'avoue qu'on aime bien, on a pris du plaisir à lui lire. Les gars, le magnum qui s'approche de plus en plus. Le magnum qui s'approche de plus en plus, je vous l'annonce. Los Magnus. Non mais il y a vraiment un poisson comme ça dans l'armoire. Non mais frérot, le poisson gros, il doit puer la mort. Attends, ils ont remis un poiscaille dans l'armoire. Posé comme ça. Mais gros, ça c'est un coup à... Attraper la malaria, gros. Attends, il fait des petits pas dedans, c'était bien. Vive, fais des petits pas dedans, j'aime bien. Allez, go, c'est parti, viens, Ashley. Je dois te soulever. Ça va aller? Bien sûr. Donc, t'es une maladie, t'as peur. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Par contre, les gars, j'ai l'impression que tu m'ouvres de l'intérieur. Je vous jure, ça me dérange quand il le dit à chaque fois. Genre, je sais pas si c'est que moi ou vous aussi. Vraiment, ça me dérange. Même pas besoin de crocheter la serrure. T'es si forte. Attends, ça veut dire que là maintenant, on a un boulet avec nous, on est d'accord. Faire attention à elle maintenant. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Voilà, son bleu, les gars. Let's go, trop stylé. Attends, viens avec moi. Je te vole. Viens avec moi, je vais voir si je peux te mettre dans l'armoire. Comme ça, je viens te récupérer quand j'ai fini. Reste ici.
ça marche. Okay, je t'appelle quand j'ai fini, ok? Ouais, ça là. Lourd. On va l'appeler Bulma. Me laisse pas. Ta gueule. Tu restes là-bas. Mais on peut pas lui dire de rester là-bas indéfiniment. Elle est revenue en 2 secondes. Le jeu aurait été si simple, mais de fou. Putain, médaillon. C'est calmement, ils ont détruit les médaillons bleus en poussière. Je sais que ça n'amènera pas le mauvais temps, mais je peux pas lui laisser passer ça. Détruire les médaillons bleus, il y en a 5 à détruire. Ok. Putain, elle est casse-couille. Moi, je voulais dire, j'en reste caché. Et je fais ma mission et je vais la récupérer à la fin quand j'ai fini. Au moins, elle va bien... Elle va... quelque chose qui pourrait bien me plaire. Au moins, elle va pas me casser les pieds. Mais là, en fait, on est juste la coltiner, putain, les gars. C'est horrible. On va recharger les armes. Y a un stand de tir. Attends, est-ce qu'il y a une nouvelle truc lui, ou pas? Comment on débloque la couleur de cheveux? En fait, c'est l'édition Deluxe Premium. Et en fait, il y a des... En gros, pas du tout. Je crois que c'est pas ça. Je crois qu'en fait, c'est... J'ai l'édition... J'ai pris un truc en plus, là, sur Steam. Je peux te montrer en deux secondes. Putain, je prends un peu de temps pour te montrer. On perd du temps sur le jeu. J'ai pris ça, regarde. J'ai pris ça... Mais je sais pas si c'est lié à ça, en fait. J'en ai aucune idée. En gros, j'ai pris... bon, ça, c'est la montre, on s'en fout. Je crois que c'est les cartes au trésor. En gros, faut que tu prennes ce DLC. Il coûte 2 balles, je crois, ou 3 balles. Il coûte 4 balles, putain. Ah ouais, enfin, 4 balles, sa mère. Le prix d'un sub. Et en gros, en fait, ça rajoute des trésors en plus, tu vois. Ok, ça marche. Ça rajoute des trésors en plus. Et en fait, ces trésors-là, sur la carte, ils se représentent de cette manière-là. Voilà, ça. C'est ça en fait. En gros, tu vois, les trésors comme ça, c'est les trésors que tout le monde a sur la carte, tu vois. Et en fait, les trésors avec un petit plus jaune, comme celui-ci, c'est les trésors en fait qui sont ajoutés par le DLC. Voilà. Donc, du coup, je sais pas si c'est lié à ça. J'en ai aucune idée, mais je pense que c'est ça en fait. C'est les trésors en plus, tu vois. Mid, prends la formule de luxe. Ouais, faites ça. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une pipe, ça m'arrangerait. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Tiens, on prend le Killer 7 là du coup. Vous êtes chaud? On prend le Killer 7. Putain, 20 de puissance. Oh, c'est baiser sa mère en vrai. Ok. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. Ladies and gentlemen, it's gonna be so special. It's gonna be special. It's gonna be special. Ça vend sa mère. Et redonne-moi mon hoot. Sincèrement, let's go. C'est peut-être la seule arme dont tu as besoin. Ah, gars, le Magnus. Les gars, le Magnum, c'est que pour les boss. Les gars, je suis passé de 77 000 à 3500. J'ai plus d'argent. Je vais améliorer, je vais réparer mon flingue, mon couteau. Comme neuf, elle va pas te faire tuer. Elle va pas te faire tuer. Ah merde. Ah. Oh. Wow.
Oh, ça doit être tellement fort. Les gars, ça doit être si fort. Ah, il y a un stand de tir. Les gars, stand de tir. Vous voulez qu'on ait stand de tir, les gars? Les gars, vous voulez faire stand de tir ou on s'en bat les couilles, on trace? Ok, ça marche, on trace. Oui, recommence. Vous voulez vraiment des stands de tir? Vas-y, je vous fais faire plaisir, vas-y, je vous fais plaisir. Même si je voulais tracer, mais c'est pas grave. Luma, ça va ou quoi? C'est ton jour de chance. Je t'ai concocté une nouvelle épreuve. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Ah, j'ai des bons. Superbe tir. Fantastique. Double. Oh, sa mère. J'ai trop raté de trucs, j'ai le démon. J'ai quand même fait 1 en vrai. J'en ai raté que 2 en vrai. J'en ai raté que 2. Bien joué, Léon. Merci, mon cœur. C'est ça que j'ai le pompe. 3, 2, 1, allez. Allez, montre-la. Oh, c'est relou comme un peu. Relou comme un peu, non? Putain, mais... Ça m'a cassé les couilles. Hey, heureusement, je suis pas arbalète, hein. Casse les couilles, sa mère. Ouah, mais là, il y a toutes les armes, en fait. Il est vraiment dur celui-là. Pas mal. Repasse-nous
voir à l'occasion. Il était vraiment dur celui-là. Mais les gars, mais ça je le fais même pas parce que. Ah la fête foraine. En vrai, je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie. En fait, les gars, je le fais pas parce qu'en fait, genre, les pendentifs, je joue même pas en vrai. C'est de la merde, tu vois, c'est pour ça que je le fais pas. Je le fais pour vous faire plaisir, tu vois. Quelque chose va forcément te plaire. Non, y'a rien qui me plaît, casse pas les couilles. De tir, il m'a permis de mieux tirer en vrai. Hein. La vérité, je tire mieux. Hein. Ouais, j'ai plus, genre, j'ai zéro ce plat. Y a pas une place pour un de poudre. Oh, cet inventaire de grosses bites, gros. qu'est-ce que je pourrais utiliser? C'est quoi, je vais utiliser une herbe verte avec sa mère. Merci mon cœur. Ouais. Rouge, ça va ou quoi frérot? Comment tu vas? C'est la nouvelle arme. Nouvelle arme. Une nouvelle arme. Pas de nouvelle arme. MP5? Bah les couilles. C'est la noire dont tu parles, bah les couilles. Fermé ici. Hein. Cherchons un autre chemin. A tous les coups, en vrai, si ça veut être des chiens, genre. Mais par contre, pas ton boule devant l'écran. En fait, ils ont dû en mettre une. Genre, tu sais, au niveau des projecteurs, tu sais, genre en mode aveuglé un peu, tu vois. Ou une, genre sur une tour. Oh, gros, ils ont fait ça. Là. C'est quoi ça? Hop. Trop fort. Allez. Vous l'avez pas vu, je l'ai vu. Et merci. Ah, mais l'arme que j'ai acheté, mais c'est un magnum, frérot. Du coup, là, tu veux que je tire sur les piafs au magnum. T'es au courant que le magnum, il fait 20 dégâts. Genre, je t'explique. Mon pistolet, actuellement, il fait genre 2,40 de dégâts, ok? Un pompe, qui fait pas mal de dégâts, en fait 9. Le sniper, qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts, en fait 3, tu vois? Le magnum en fait 20. Donc en 2 balles, je peux one-shot tous les boss ou tous les ennemis, tu vois. Une balle, tu one-shot tous les ennemis déjà. Donc bon. Tire au magnum sur le premier ennemi venu, c'est un peu débile, je trouve. Ashley, viens. Ok, genre, va là-dedans. Ah merde, putain. Je veux dire, genre, cache-toi là-dedans et casse pas les couilles. Non, mais c'est pas le temps, je pas le temps. Venez. Venez. Viens. Éloigne-toi. Ok. Reste bon. Allez, venez. Pas le temps pour faire un truc sticky là. Je le sais. Non mais j'ai mêlé. J'entends un truc. J'entends un trésor. Là. Ah non, c'est les néons. Une brain en fait. Les gars. Dans ce chapitre, on doit trouver une figurine, tu sais, de Salazar là. Faut qu'on la trouve. J'en ai mis une, pas deux. Les gars, une, pas deux. Les gars, une, pas deux. Chat, une, pas deux. Je
Allez, la dernière. Mais Léon, vous allez être niqué. Putain, mais... Mais SB, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Ah non, parce que là, si... Attends. Ça fait 14, donc c'est bon, ouais. Tu l'as vu ? T'as vu. Tu peux la combiner avec l'autre ? Quel autre ? Ah, ça et ça ? Ouais, mais je vais voir si j'ai pas une rouge. Si je chope une rouge, tu vois, c'est mieux que deux. En fait, une rouge et une verte, ça te met full life, tu vois. C'est mieux que deux vertes. Deux vertes, ça va te mettre genre... un peu plus de midlife, tu vois. Ça va te donner genre... Ça va te mettre trois quarts de vie. Alors qu'une rouge, une verte, c'est genre full life direct. Non. Mais c'est pas mal, ça ou quoi? Objectif, pas vendre. Oh, oui, je veux pas vendre mes trésors, les gars. C'est un truc qu'on s'est donné là pour New Game Plus. J'ai le démon, sa mère. Et le derrière là, hey, je vais l'en enculer, lui, arrête de crier, putain. Tiens, enculé, arrête de crier, putain, j'étais pas une bouzoune, pote. 1000 pesetas, let's go. Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. Est-ce que ça va ? Ouais. Let's go. J'entends un trésor. Yeah. Je savais que j'étais pas fou. Je savais que j'étais pas fou. Billy Cook. Dixtro, ça va quoi, frérot? C'est de coup, c'est Greg. Salut Greg, comment tu vas? T'as fait un bail? Qu'est-ce que tu deviens, mec? On te veut plus aux soirées, Greg. Ça fait quoi, ça? Ok. Viens, charge-toi de ça. Okay. Reste là, toi. Let's go, les balles, let's go, je signe. Je veux, je donne, je suce. Le trésor là, y'a rien là dans les fourneaux ou quoi. On peut rien prendre. Je sens que je vais passer et en fait ça va être le bordel de tout côté et en fait je vais devoir la protéger et elle va canner. Oh, et ça rime. J'ai fait un truc. Oupi, ça va ou quoi? Comment ça va? Comment ça va, bébou? Attends. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, j'ouvre la porte comme ça peut me rejoindre. Okay. Oh, voilà, je savais. Merde!
baiser vos mères. Quoi? Mais t'as pété un plomb, mon ref. Mais t'as pété un plomb, mon ref. Bien acheté. Eh, je savais. Les gars, je connais ce jeu. C'est un jeu développé par des fourbes. Mais qui est plus fourbe que le jeu, à votre avis? Eh ben, c'est Bibi. T'es blessé? Ça va, merci. Allez, viens. Ce qui se botte, ça ou quoi? Ah merde, pas de côté, en vrai. Oh, le réflexe de fou. Réflexe de fou. Tout va bien? Ouais, t'inquiète. Un trésor là? J'ai niqué tellement de balles pour rien, j'aurais jeté une grenade flash en vrai. Ouais, j'en avais une. Putain, j'aurais jeté une grenade flash. J'ai niqué beaucoup de balles pour rien. Je vais en crafter un peu. Je libère un peu de place. Okay. Salut Limouchan, comment tu vas? Un spinel. Après ça, on est d'accord. Les gars, la statue, je l'ai pas encore passée, on est d'accord. De Salazar là, tu sais la petite statue. Bonjour l'odeur. Tu tiens le coup? Ouais, même si avant, ça m'aurait tué. Et Redfall? Non. Il est sorti ou pas encore Redfall? Non, il est pas sorti Redfall encore, si. Non, je l'ai pas encore passé. Non, mais attends, mais je parle de la statue, les gars, je l'ai passé ou pas? Ah, début mai, ok. Merci beaucoup, monsieur Bilal, merci, mon ref. C'est gentil. Non, la statue, elle est prête. Ok. On y va au même moment, d'accord? Compris. Et voilà. Bien joué. Allez, tu vas te cacher maintenant, tu sors plus. Cache-toi.
Ok. Nickel, j'en plus. Oh non, les gars, j'entends un daron là. Il y a des gros darons là, je les entends. Les gars, il y a un gros daron, je l'entends. Vous l'entendez ou pas? T'as pas un ronflement. Merci, Capren, merci, mon ref. Ça pique. Pardon, monsieur. Aïe! T'es vraiment un amour, toi. T'es vraiment un fils de pute, oui. Hey, Macken! Non, je t'ai pas dit sortir, toi. Oh non, la roule est de retour. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. Bah ouais, t'es marre, on va griller du poisson. Allez, full life. Deux poids sky, full life, let's go. Oh, la dinguerie. Attends, mais ça veut dire que eux, maintenant, quand on les canne, ils peuvent se transformer en Sonic le hérisson. Le levier est là. Oh, okay. Le bordel. Bon, on y va au même moment. Ok, d'accord. C'est pas grave, on réessaie. Ça va marcher. Encore une fois. Là ! C'est pas grave, on réessaie. J'en ai marre. Il y avait pas un truc derrière que j'ai oublié ? Non ? Là. Je savais que j'ai oublié un truc. Merci beaucoup à celui qui l'a rappelé dans le chat, je t'aime. Le mec il l'a rappelé dans le chat, merci beaucoup. Je savais que j'avais oublié un truc derrière, ouais. Ashley. Attends. C'est beau, et là, c'est toi qui l'ouvre. Là ! On est si fort, Ash. Hey, Ash ! Quand tu la vises, en fait, elle se cache les yeux. Bah là, elle se cache pas les yeux, tu vois. Stylé. Petit détail qui sert à rien, mais qui est cool. J'aime bien. Et les rats. C'est un défi. Faut les canner, les gars. Ah, ok. Et ça, pour mettre le courant. Pas de courant. Tu t'en occupes ? Je suis pas enfoiré, je te canne. Mais alors, rien, toujours venu de loin. Ashley, je sais pas. Tu vois, heureusement, en fait, ils sont pas codés l'IA en mode troll. Parce que moi, tu vois, si elle s'était passée là, bah j'aurais lâché pour qu'elle tombe dans le vide pour voir ce que ça fait. Ah, parce que je suis un fils de pute, les gars. Long.
C'est long. Il va y avoir un boss, les gars. J'ai trop de munitions, me donne trop de trucs d'un coup, là, le jeu. Et je connais, quand ça fait ça, c'est qu'il va y avoir un boss. Ratatata. Ok, c'est fini. Terminé, bonsoir les gars. Oh, un petit poisson. Les gars, écoutez-moi bien. J'ai tellement de trucs que quand je vais appuyer sur ce putain de levier, il va se passer un truc, tu vois. Et je vais devoir protéger Ashley. Mal à la gorge. Tu vois pourquoi? Mais je sens que je vais devoir la protéger en vrai. Elle est où? J'entends un bruit, mais je sais pas ce que c'est. Non, c'est des rats, mais c'est pas des rats. Regarde la Ramadan Resident Evil, je me rappelle encore du marathon il y a plus de 2 ans, je crois, maître. Maître Sachin, merci pour le sub. C'était plus de 2 ans. Merci beaucoup, Ramaz, merci Mopa, merci Rouja, merci Nutella Bio, merci Timal, merci beaucoup. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Tu avais raison. Ok, c'est fini les gars, game over. C'est terminé. je pensais pouvoir avoir un AIM, tu vois, et tout sur elle, mais c'était mort. C'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Ah, faut que je loue tout là, putain, casse les couilles. Ah, faut que je le refasse, sérieusement. Non mais, par contre, les checkpoints, relou un peu. Et putain, mais c'est CR7 ou c'est un rat? C'est la putain de ta mère. Attends pour tes conneries, là. Les gars, je vais faire une toute petite pause où je vais faire caca. Ok, j'arrive, je reviens. Et re-YouTube. Désolé, j'ai des problèmes intestinaux en ce moment, je fais beaucoup caca. Est-ce que j'ai le temps d'aller directement la chercher? J'ai peur de pas pouvoir en vrai.
Ashley, merde! Oh, ils sont morts! Je suis là, gros! Ashley, dégage, je suis là! Foutez-moi la paix! Merci. De rien. Moi, je suis un fils de pute, moi, ou... Merde! Fric, t'as un plomb, mon ref. Putos cabrones! Attends, les gars, de l'autre côté, il y avait un mutant là. Est-ce qu'on le cannerait pas en vrai, lui? Attends. Les gars, le mutant, faut que je le canne en vrai. Ashley, viens. Ashley! Ok. Léon Catu, ah frérot. Les gars, je vous dis, hein. Léon, quand il joue. Et pourquoi t'as épinglé ça? T'as quelqu'un pour moi? Pourquoi t'as épinglé ça, gros? Pas compris. Il est où? Il va se transformer, non? Ah, même pas? Ah, si, j'avais raison. Red Barrel, I'll take it. I'll take it. I'll take it. Ok. Allez, viens avec moi. Attends. Il vient de se passer quoi là, à l'instant là? Quoi? Mais il a vraiment sifflé? Il a vraiment sifflé Ashley? Non les gars, c'est Léon qui a sifflé, c'est pas moi les gars. Genre c'est Léon, c'est pas moi les gars. What the fuck? Jure, genre même moi ça m'a choqué, tu vois. Pour vous dire, même moi ça m'a choqué. C'est trop grave de ouf. Non, en vrai c'est... Non, en vrai je pense qu'il a sifflé, c'est quand il est vraiment loin d'elle, tu vois. Attends, on va refaire l'essai, Ah, parce que les gars, Léon, c'est pas un macho. Garde ça ouvert. Ok. Léon, c'est pas un macho. Il siffle quand il est vraiment loin, tu vois. T'as pas entendu? Attends. Je attends qu'elle finisse. Ok, si je me mets là. Ok, j'ai rien dit. C'est un fils de pute. Léon FDP ever, biggest FDP ever. Ouais, c'est un chien, il sifflait même pas mal. Hey, ça me termine, mais tu sais que ça m'a vraiment choqué, j'étais en mode what the fuck. C'est trop chelou, ouais. C'est un bâtard. Il me demande un peu comme ça quand... Tu sais, quand j'étais petit. Ouais, mais ton daron. Après toi, t'es un chien, c'est différent. J'ai fait quoi, elle, là?
Une, pas deux. Une, pas deux. Pas de trésor là ? Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. Oh, la reine de fight. Oh, la reine de fight. Chat, la reine de combat. Oh, la reine de combat de fou. Bravo, étranger. En quoi puis-je t'être utile? La reine qui arrive, elle a l'air énervée. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Attends, c'est quoi l'erreur spéciale? Multiplie les chances de critique par 5. Ah ouais, c'est fort. C'est fort d'ouf. Je me suis dit, tu vas te monter le pompe en vrai. Est-ce que je fais bonne route? Le combat va durer une heure. Aga, je save. Aga, c'est sûr, ça va durer une heure. Attends, c'est quoi, je save comme ça, si jamais je galère, je reviens ici et vas-y, je montrerai ton. Oh, wow, la reine est balèze quand même un peu. C'est qui, je vais battre Crozer là? Descends pas. Non, reste en haut. Non, reste en haut. Non, je vais te baiser. J'ai marre d'avoir un boulet tout le temps qui me suit H24, c'est relou. Je parle pas de ce boulet là. Oh, mal de magnum. Où est-ce qu'elle va? Oh non. Léon. Regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur. Reste devant le mur, t'inquiète pas, reste devant le mur. Je m'en occupe, je s'occupe de tout. Je sais plus quoi, il s'est escaladé lui, ça m'en ouf ça. Genre depuis quoi c'est faire des moves d'escalade? La texture de la boule, elle est vraiment bien faite, hein. La rouille, etc., c'est vraiment bien fait. Une boule de démolition. Laisse-moi faire. Attends. Il y a problème. T'es sérieuse? Qu'on vous apprend à la fac maintenant? C'est pas au courant des dernières réformes? Ça pas dans le 4, ça. Ça existait pas dans le 4. Écarte-toi! Ah, dans le 4 original, ça existait pas. Qu'elle prenne des dégâts.
Achète-la quand tu veux, meuf. C'est vraiment nous qui fait le truc là où je rêve. Oh mais dis-la toi à mon, dis-la à mort. Mange le... Je l'ai, putain. J'aime pas les boules. En fait, d'accord, tu peux utiliser le boulet de la chlep pour niquer tout le monde, hein. On est d'accord. Si c'est une raclée que vous voulez, je veux bien vous rendre service. McDonald's les gars. C'était McDonald's. Les gars, j'ai le temps de douter après ou pas? Les gars, est-ce que j'ai le temps de douter après ou est-ce que après c'est genre cinématique et on passe à autre chose? Ouais? Oui, t'as le temps, ok, c'est bon. Parce que sinon je vais ramasser tout ce qui est en.
En vrai, j'apprendais plus que ça, mais ça va. Ok. J'ai bien géré. Par contre, ce qui m'ont fait peur, c'est elles, là. Genre, les araignées, quand elles sont arrivées. J'étais en mode, vraiment, non. Vraiment pas. J'avais vraiment peur des araignées, genre, je voulais vraiment... Là, parce que là, par contre, si elles avaient toutes, genre, chopé un autre, là... Ouais, non, là, ça aurait été relou. Bah, du pistolet, let's go. C'est bon? Par contre, j'ai vraiment tiré une balle de magnum, là. J'ai la haine. J'ai tiré une balle de magnum, j'ai la haine, c'est pas grave. J'ai rien zappé. Non. Allez, viens. Compris. T'as vu ça? J'ai trop assuré. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Ashley BTT. La flash, la carry. Ouais. La flash, là, heureusement, j'en ai gardé une, tu vois, parce que la flash, elle a vraiment sauvé le truc. Hein. Si j'avais pas de flash à ce moment-là, je pense que c'était game over. Ah, peut-être pas game over, mais en vrai, genre, j'aurais niqué tellement de munitions. Cadavre ambulant. Certains ont aperçu ce qui semble être un étrange cadavre errant, probablement le résultat d'une expérience immorale. Quelqu'un pourrait-il mettre fin à son existence pathétique et lui offrir un repos éternel? Éliminer la menace. Labo d'incubation, spinal 8. Ok. S'il y en a un seul à niquer, ça veut dire qu'il doit être archi fort. Il doit être archi fort, les gars. C'est un seul indiqué, c'est qu'il doit être archi fort. Du magnum, ça voit. Ah non, mais les gars, le magnum, vu la puissance du magnum, crois-moi que même les boss. Je le garde vraiment pour les boss, tu vois, le magnum. Genre comme ça, tu sais, dès qu'on est contre un boss, bam bam, c'est terminé, bonne soirée. Là, tu passes à autre chose, tu vois, tu perds pas de temps. J'ai rien loupé là. On peut aller save. Non, parce qu'il faut remonter, on peut pas remonter. Ok, vas-y, on est obligé de continuer du coup. Fort que le magnum, lance-roquette. En gros, le seul truc qui est plus fort que le magnum monté à fond, c'est le lance-roquette, parce que le lance-roquette, en fait, la particularité qu'il a, c'est que il coûte extrêmement cher, mais du coup, en fait, il one-shot en une seule roquette. Il one-shot tout. J'ai une roquette derrière moi. Ah, il y a un truc là, j'ai pas vu. Ah, de ouf, je suis un ouf. Ah, merci, je l'ai même pas vu, gros. Peut-être, je l'ai même pas vu. Ah, c'est ici. C'est la mission. Lance-roquette, les gars, il est... C'est genre, je suis giga OP, tu vois. Enfin, si c'est comme l'ancien 4 du 2005, il one-shot tout d'une roquette. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Comment je suis arrivé à là? Attends, je comprends pas. Attends, je suis passé par là. Hein? T'as fermé la porte, mais je suis passé par où du coup? Waouh, c'est une brain de fou. Ah, j'ai fait tout le grand tour. Non. Ah, mais j'étais là. Ah,
Ah oui, oui, d'accord. En fait, là, ça lui était captivé. Ah ouais, en fait, je pensais que ce vendeur-là, c'était ce vendeur-là, tu vois. Je me disais, mais attends, mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, non, c'est bon. C'est moi qui me suis auto-brain. Okay. Oui, c'est bon. Oui, et en fait, après, on est passé par là. Oui, c'est bon. Ah ouais, non, mais je te jure, ça m'a brain ouf. Ah là, c'était avant. Ah, c'est là. Putain, je pensais que c'était après, putain. Ok. My bad. Heureusement que vous êtes là, putain. Genre, je pensais que c'était avant. C'était que c'était après le truc qu'il m'avait donné. La golfer. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu. Mais que. Gauche. C'est là. Est-ce que je peux dire de se cacher pour le... Ouais, la salle où je peux... Ah, il sert à ça, le casier. Ah, il sert à ça, le casier. Du coup, là, tu lui dis de te cacher le temps que tu le fasses. Reste ici. Attends. Quoi? Ah ouais, c'est ça, ok. C'est pour que tu puisses faire le fight sans être emmerdé par elle. Oh, what the fuck? Moi, je pourrais commencer. Plus de distance. J'ai vite envie de le refaire. J'ai tiré beaucoup de balles à côté, mais c'est pas grave. Ah, parce que je crois que je peux les crafter de toute façon. Ouais, je peux en faire 7. Ouais, de fou. Après, c'est voulu, hein. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là, non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là, non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là, c'est par là. Après, c'est voulu aussi. Hein. C'est voulu. C'est par là. Alors, comme ça, un travail bien fait mérite une récompense à la hauteur. Laisse-moi voir un truc vite fait. Dans exploit, c'est ça? Non. C'est là. Dans requête. Il me reste combien à faire? Il me reste une seule, les gars. Il me reste une seule requête et après on a fini. On en aura plus. Ok. Fais bonne route. Ashley? Elle est là, wesh. Elle est là. En fait, j'ai fait contrôle, mais il a pas sifflé. Non, en fait, j'ai fait contrôle, mais en fait, il a pas sifflé. Et du coup, elle est venue toute seule. Putain, 14. 15 bientôt, je pense. C'est jouable ce soir ou pas pour le finir? Est-ce que c'est jouable de le finir ce soir? Qui sais-je? Je me disais, on forme une bonne équipe, non? Sans doute. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, on peut protéger notre pays contre n'importe quoi. Il est bon, asthmatique. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. T'es pas drôle. Je suis pas payé pour être drôle. Jusqu'à 5h, ouais. Vas-y, on va jouer jusqu'à 5h. Mais du coup, attends, c'est à quelle heure on arrête aujourd'hui? 5h et quelques, non? Je vais pas avoir le temps de manger, ouais. Je vais manger en speed après. Il est malade, ouais, il est bah il est infecté les gars. Comme Ashley, il est infecté hein. Y'a rien là. Mais t'as resté, vas-y, va dormir gros, on va dormir frérot. Tu te lèves tôt gros, va dormir. Transport de l'ambre, j'insiste sur le fait que vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du transfert des dépôts d'ambre venant du sol du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance. Il est impératif que vous ne perturbiez pas le sommeil du corps sacré. Le corps sacré. Il y a un trésor là, je l'entends. Ouais, là. Les gars, j'ai toujours pas trouvé la statue. La statue, elle est encore après. C'est sûrement ça dont Louis parlait. L'ambre. Les gars, la statue elle est après. Je l'ai pas zappé, on est d'accord. Je compte sur vous. Wouah, ça c'est les problèmes. Ici, ça sont les problèmes, les gars. Rapport sur l'espèce supérieure. Très cher Lord Sadler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certains que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique qui a la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré, qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau. Ce parasite est unique au monde. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante. Car elle peut s'intégrer dans son hôte sans endommager le cerveau. Personne ne peut s'opposer à votre domination, mais d'ailleurs, qui serait assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? J'en suis la preuve vivante. Autrefois, je n'étais qu'une idiote. Qu'est-ce qu'il parle? Annabelle. Ah, la chercheuse, ok. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le plaga à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt ils sauront. Et lorsque nous aurons accompli notre plan, le monde entier saura. Annabelle Garcia Escuardo, chercheuse. La statue est ici, sérieux? Jure. Elle est ici? Je l'ai raté alors. Ah, juste après. Okay. Merci beaucoup les gars. Tous les petits insectes. Prosternez-vous. Ceci est notre corps sacré. Notre divine providence est bientôt une profonde bénédiction pour tous. Ok, plus de boxons. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Oh, c'est crâne. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Oh, mon respect. Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce? Allez, abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur.
Venez, arrache-le. Wesh. Passe quoi là. Comme par hasard. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Ouais, pédophilie un peu chelou, Lord Sadler. Bah, il est bizarre un peu quand même, non? Chat. Elle, c'était pas dans le 1, les gars, on est d'accord? La meuf avec le. Ah, c'est enrayé. L'arme s'est enrayée. Il est classe quand même, il ira en classe, Léon. Sadler. Ok, lourd, elle est plus avec nous. Espèce d'enfoiré. Moi, je vous dis la vérité, moins elle est avec moi, mieux je me porte. Moins elle est là, mieux je vais. J'entends, elle est derrière moi. Les gars, j'entends, elle est derrière moi. Elle est là, ouais. Merde. Développement des défenses. Comme vous l'avez demandé, le réaménagement de l'île est bien engagé. Des armes et autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher toute intrusion vue de l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas sur le long terme, mais elles devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches que jamais de notre but final de domination du monde. Personne ne pourra résister à notre puissance. Jack Crozer. Pour ceux qui savent pas, Crozer, les gars, c'est le mec avec le bandana, tu sais, avec le couteau, contre qui on s'est fight hier, là. C'est lui, Jack Crozer. Grenade. Pourquoi y'a un truc où je peux. J'ai l'impression que je peux monter ici. C'est un bug ou quoi? J'ai l'impression que je peux monter au-dessus. Ils mettent ça quand on peut grimper. Deux balles de sniper. Non pas, c'est vraiment des chiens. Pour les balles de sniper, on dirait c'est eux qui les payent, ces bâtards. Sneaky breaky. Pour le toit, on peut monter au-dessus, sérieux? Non, on peut pas. La discrétion, maman, la discrétion, vraiment. Tourne-toi, putain! Merde, putain, je voulais le poignet de sa mère. Qu'est-ce
Voilà, barre d'or, c'est une bite d'or, c'est pas une barre d'or ça. Y'a rien par là. Hein. Il vient de là. Alors, ça fait partie de l'immersion. De quoi? J'ai fait une nagaie encore? J'ai raté un truc? Merci Loam, merci beaucoup Emen, merci Driss, mon frérot pour les 4 mois, merci Master Fire Sword, pardon, merci Ludiex, merci Dlou. Les gars, j'ai fait quoi? J'ai plus de poisson à Grey, sa mère. Toi, pourquoi que tu te penches IRL? Ah! Ouais, ça m'arrive souvent. Enfin, même tout le temps, en vrai. Désolé, je sais que c'est grave chelou, mais. C'est pareil quand je veux regarder au-dessus, par exemple. Imaginons, je sais pas, genre, je suis là comme ça, tu vois. Et je veux regarder au-dessus, je fais ça. Tu vois, mais pourtant, en fait, ça sert à rien de lever la tête, tu vois. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou. Je cherchais pas. Et si tu es pas content, je vous baise. Wow, il a tué tout... Attends, il a tué tous ses potes, Crozer, là. Il a pété un plomb, le Crozer. Opération Javier. Peu de gens ont entendu parler. Même pas les hautes sphères du gouvernement des États-Unis. Eh bien, évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison? Tout simplement, qu'elle a été trop inhumaine. Ça a commencé en 2002, lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines a envoyé... Ok. L'ambition était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour réparer cette opération et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais ce qui est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant le major Crozer, je pense. Et pas des cartels, mais par les États-Unis. Extraire une simple unité ne devrait pas relever de l'impossible. Un seul hélicoptère aurait suffi. Et pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disaient que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein des hauts gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, ne connaîtront jamais la vérité. Mais je suis certain d'une chose, le gouvernement américain à laisser ces gens mourir, de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger le pays. Je veux dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Note 1, ce document concerne l'opération Javier qui a été décrit par le journaliste américain au nom de... Voilà, ok. Note 2, cet article ne sera jamais publié. Sommes occupés de... Voilà, okay. Ah, ils l'ont calé. Mais en fait, on est d'accord, le seul qui a survécu de cette opération... C'est... comment il s'appelle? C'est... C'est l'autre, la Crozer, et en fait, c'est pour ça qu'il a pété un plomb. I'm waiting. J'attends. Je suis fort en anglais. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, le bleu. J'ai préparé un champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ah, mais j'ai pas fait Code Veronica, je l'ai pas fait. C'est l'un des seuls... Merci beaucoup Bimox, merci beaucoup pour les 5. C'est l'un des seuls RE que j'ai pas fait en fait, Code Veronica. J'espère qu'ils le remakeront en fait. Apparemment on m'a dit que c'était l'un des meilleurs.
Enlèvement d'Ashley Graham, phase 1. Quitter le campus avec la cible. Escorter la cible comme prévu jusqu'au début de la phase 2. Trois autres personnes devront être dans le véhicule, y compris Baker. L'unité Dable vous suivra à bord d'un autre véhicule. Conduisez en empruntant votre route habituelle. Phase 2. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule Dable. Phase 3. L'unité Dable changera de route. Assommez et attachez la cible. Mettez la cible dans un grand conteneur. Phase 4. L'unité de Baker fera diversion. L'unité d'Henry s'introduira dans la base de données de l'organisme en charge de l'enquête et désactivera leur réseau. Phase 5. Rendez-vous au point K9. Chargez la cargaison sur le bateau. Ah, attends, mais en fait, ça veut dire qu'ils l'ont extradé depuis les États-Unis. Putain, je m'en souviens plus, ça. Ça s'en va de Crozer et Léon. Dans les Chronicles, le shooter, c'est pas Code Veronica. Ah, ok. Veronica, il est remake, je crois. Non, ils l'ont pas encore remake, Code Veronica. Non, ils l'ont pas encore remake. C'est l'un des seuls que j'attends, en fait. Et on m'a dit qu'il était incroyable. Et j'attends avec impatience. Ok, les gars, ça va être la guerre. J'annonce, ça va être la guéguerre de fou. Ah, mais je sais pourquoi j'ai pris le Magnum tout à l'heure. Parce que là, il s'est tapé plusieurs fois sur la touche 1. Ça switch, en fait, de d'armes. Ok. Déséquipé. Raccourci. Comment on enlève? J'enlève. Non, mais comme ça, les gars, je m'explique plus. Ah ouais, ok. En fait, t'as appuyé plusieurs fois sur la même touche. Mais il a pété un plomb. Je l'ai canné là, il est mort là. Mais what the fuck? C'est pour ça que j'ai pris le Magnum tout à l'heure, je comprenais pas en fait. Non, Code Veronica, le gars, il a pas été remake, je vous le dis que non. Vous avez peut-être entendu un truc ou quoi, mais Code Veronica, je vous jure que s'il avait été remake, j'aurais été le premier informé et on l'aurait déjà fait. Salut, étranger. Ouais, ça ou quoi? Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Je te souhaite bonne chance. Les gars, 60 000, est-ce qu'on améliorerait pas le pompe deux fois en vrai? Non? Reviens quand tu veux, surtout. Oui, 60 000, en vrai, y a moyen d'améliorer le pompe en vrai. Hein. Il a été nul, Code Veronica? Non. C'est impossible de recharger le Magnum, hein? Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et voilà. Oh, je peux le meurer deux fois, comme les gars. Tu l'as demandé. Ah, où on prend la mallette? Oh, ça, t'en auras pour ton argent. Je te le garantis. Et bonne route. Bienvenue. C'est un truc à vendre, sérieux? Ah, d'ouf. J'ai vu. Les gars, on dégage la jaune. Elle ne me sert plus rien maintenant, si. Mais je sais pas quoi prendre en vrai. Ça, c'est des trucs cool à prendre en fait, tu vois. Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Il vaut mieux pas que tu le saches. J'adore comment il parle. J'aime trop quand il parle, le vendeur. Eh, mais en fait, ça me sert plus à rien, je crois. Non, c'est pas la jaune. La jaune, elle augmente ta vie. C'est la verte, c'est la rouge qui te heal full. Je fais la voix de la voix du vendeur. J'aurais pu. Mais ils m'ont pas demandé. J'avoue que ça aurait été trop stylé de mettre ma voix dans le jeu.
Putain, les gars, j'ai 37 000, j'économise. Compenser un manque de compétences. C'est enculé, c'est mon manque de compétences. On revient quand tu veux, manque de compétences. Vas-y. Les gars, mais le pompe, les gars, faut que je l'améliore à fond. Vous avez pété un pont ou quoi? J'ai pas de quoi améliorer à fond un pompe. Et ceux qui me disent vent, je vous détruis, c'est bon ou pas? Attendre. Le bleu. Ah, oh, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi? Te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'ils voudraient? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat. Alors ma gueule, écoute-moi bien. Comme si j'avais le choix. La mer, mal de magnum. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sans pitié. Mal de magnum. Trop mal de magnum. Tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille? Une bord cette phrase, laquelle? Quelle phrase, laquelle? Celle qui vient de dire là? Snake, attends, quoi? Ah, y'a un scarabée ici! Il est où? Contre un mur, c'est ça? Tout du coup? Ah, mais de même, t'es qu'un connard, ouais. Genre là? Bien vu. Plus de place. Oui, chat, merci beaucoup. Zombie, j'ai raté quoi? Bon, attends, là, t'as raté un combat de boss. Attends, mais là, le combat de boss, il est pas fini parce que. En vrai, genre. J'ai pris trop mal de magasins dans la gueule. On est d'accord, il est pas mort là. Attends, ok, en fait, c'est un moment dans l'autre zone. On est d'accord que j'ai tout ramassé ici. Parce qu'en fait, quand je vais ouvrir cette porte, je vais devoir courir pour aller là-bas et en fait, je pourrais plus revenir ici en fait. C'est pour décharger en fait cette zone en fait en arrière. C'est comme le. C'est comme ça que je le comprends. Ah non. Okay. Dis pas tes balles de magnum maintenant. T'as rien à conseiller. Ok. Ah genre tu me conseilles de recharger là?
Vous essayez de recharger, genre ? Tu te souviens de ce combat dans la jungle ? On avait bien failli y rester ! Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. En vrai, ouais. Vas-y, je vous fais confiance. Ouais, c'est, oui, c'est scripté, ok. Oui, en fait, je crois que ça me dit quelque chose en plus, ça me dit quelque chose. Vous avez raison. You're goddamn right. Allez, cours le bleu ! Comme si j'avais le choix. Qu'est-ce qu'il y a ? Sois sans pitié ! Tu es lent. Et qu'est-ce que tu peux être faible ? Oh ! Je me souviens pas t'avoir appris à gesticuler comme ça. Tu m'as appris à ne pas suivre le rythme de l'ennemi. Tu veux que j'attaque en premier, tu dirais. Qu'est-ce que t'as fabriqué pendant 2 ans? Ah, je suis allé au grec. Il est vraiment agile ouf, ouais. Moi, le magnum, 3 balles, c'était réglé, hein. C'est eux, ouais, j'ai fait espace, mais c'est eux. Les gars, le magnum, 3 balles, c'était réglé, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà ? Sois sans pitié ! Tu veux que j'attaque en premier, mon frère ? Oh, ça tourne en arrière. Je vais même pas regarder. Tu es lent. Et qu'est-ce que tu peux être faible ? Allez, dégage de là. Je me souviens pas d'avoir appris à gesticuler comme ça. Allez, dégage de là. Et bien vu, chat. Tu ferais mieux que te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la vie. J'avoue, 3 balles de magnum pour ça, relou un peu quand même. 3 balles de magnum pour ça, très relou, ouais, j'avoue, très relou. T'as JP ? Qui JP ? Ton daron ? Ouais, je respecte ton daron, frère. Ouais, t'es la première personne qui le combat de cette manière, comme ça, avec le pompe ? Avec le magnum ? Jaune en tube, non, jaune, en fait, jaune, on aurait dû le vendre tout à l'heure. Sa mère, je l'ai pas vendu, j'ai le démon. Tu te souviens de ce combat dans la jungle ? On avait bien failli y rester ! Bah, je crois que je suis pas full life, hein, t'as raison. Genre là, je vois que la jauge, elle est pas totalement au bout, sa mère. T'as raison. Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. J'ai pris le scarabée, je l'ai ramassé. Il est là. Ça. Les gars, vous suivez pas live, en fait, ça, votre problème. L'endroit est truffé de pièges. J'ai pas l'avantage ici. Inconscient ! Fils de pute. Relou, lui.
Comment je fais là? D'ouf! Mais c'était pas comme ça avant! Avant cette phase, elle était pas comme ça! Hein. Aïe! Je hurle! Putain, je l'ai pas vu! Ah, les bâtards, ils l'ont trop mécamouflé, c'est chiant! Je l'ai même pas vu! Ah, je pensais l'avoir eu! Mais c'est pas dans du 2005, ouais, mais t'es pas comme ça. T'es pas comme ça, les gars. Je m'y connais pas mal en tactique de guérilla. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? Merde. Qu'est-ce qu'il est casse-couille? On les voit pas, sa mère. Rien de tel qu'une bonne chasse. Toujours vivant, hein? T'as de la chance. T'as de la chatte. Je suis en panique. Les gars, je suis en panique. Hein. Les gars, je vous ai vérité, je suis en panique de ouf. Le cross air placement. Salut Zaza, ça veut quoi? Je te l'accorde. Le fait que t'aies survécu jusqu'à présent mérite d'être salué. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. La faucheuse vient pour les lâches et les inconscients. Tu es quoi? Bonne question. Je lui demanderai quand je la verrai. Comme ça. Vraiment donné à fond pour moi. J'aurais pas dû. Il fallait me donner un peu de réserve, un traitement de faveur, non? Les gars, faut que j'ai récupéré les deux derrière. Tu ferais mieux d'accélérer le rythme. Pense à la fille. Let's go. Mune là. Vas-y.
réussi ton épreuve avec brio. Voici ta médaille. Bon, c'est bon, on peut être potes, toi et moi, maintenant. J'ai fait un tir, les gars, impossible. Genre, t'es pas, je suis là, ok, et j'ai tiré là. Improbable. Ok, vas-y, ferme-toi. Ok, ça va être le bon. Fini, soldat. Tu perds ton sang-froid. Tu fais du sang. Ton petit jeu marche pas sur moi. Tu veux pas faire une pause? Moi, doit te faire horriblement mal. Pour oublier une plaie ancienne, un tel peut en ouvrir une nouvelle. Oh, la caméra de baiser. Inconscient. T'as perdu la main. Wow! Tu peux pas me battre. Ah gros, je bande sa mère. Ce qui veut dire qu'on aura jamais la même vision des choses. Wouh! Incroyable. Ça y est, t'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit. Et répété. Maintes fois. Faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi et moi, le bleu. Les gars, les gars, j'ai pas tout lutté en haut. Oh non. Oh non. Les gars, je peux essayer de McDo maintenant ou pas? Encore scripté. Oh non. Admire ma puissance. T'as complètement pété les plombs, Krauser. Pété les plombs, Krauser. Attends encore, ok. Vous me dites go. Vous me dites, gars, vous me dites go quand je peux utiliser le magnum. Prépare-toi. C'est ça ta vraie puissance? À ta place, je me ferai rembourser. Oh le bâtard. Félicitations pour avoir trouvé la foi. La foi est pour les faibles. Seule la puissance compte. Hey, les gars, on dirait pas un débile sa mère, Krauser. La foi, c'est pour les faibles. Seule la puissance compte. On dirait un débilo sa mère. Hey, je suis mort. Et il sort des phrases, ça n'a aucun putain de sens. Ah ouais, je te jure. Ah, trésor. Les gars, au-dessus, il veut du loot ou pas au-dessus? Putain, les gars, j'ai du loot sa mère au-dessus. J'ai la haine. J'ai fait E. J'ai hâte de te voir s'ouvrir. J'ai graffé E. Non.
Ah, je me sens mieux maintenant, chat. Ah, un petit œuf, vas-y, goulgrain, non? Ok, maintenant je peux. Les gars, je peux m'aguer là maintenant? Oh, ok, ça marche aussi, merci, les copains. Merci, Gia. Fini. Ta dernière leçon commence maintenant. Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Voilà, Léo. Je te trouve bien confiant. Amène-toi. Eh, Magritte le déchu. Bon, faut que je fasse les gars. Magritte le déchu. J'arrête de tirer, j'ai le démon. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. Le fait d'accepter ce pouvoir, toi aussi. Ouais, sa mère. Mais j'ai pas eu de prompt pour esquiver. J'ai pas eu le prompt E pour esquiver. Il m'a détruit, hein. Il m'a détruit, gros. Le Magnum, c'est comment, en fait, ce que j'ai l'impression, frère. Ils m'ont passé un nerf. Zéro sur un. Doum. Que c'est vrai, le bleu. Ouais. Ok, on recommence. Quand je tire à côté, j'ai envie de me foutre en l'air, les gars. Tu vois le point là, j'ai envie de me foutre dans le cul, putain. Un AIM de dev. Ah ouais, je te jure, vraiment. Bon, les chargements, c'est comment là? 8 ans les chargements? Ah ouais, c'est une cinématique. C'est une cinématique, en fait. Que c'est vrai, le bleu. Va régler ça. Oh, gun. Ok, on recommence. Putain, pourquoi je tire toujours à côté? C'est chelou, les gars, je fais que tirer à côté, ça me rend ouf. Faut s'en avoir un? Ouais, ben c'est bien sûr, frérot. N'hésite pas, si t'en veux un, n'hésite pas, aucun problème. Amène-toi! Et c'est quoi d'abord? Attends, je vais mettre une balle dans les pieds, sa mère. On va régler ça. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici. Wesh, frérot, tu m'as tué. Pas mal! Mais j'en attendais pas moins venant de toi. Après tout, je suis le mieux placé pour connaître ton potentiel. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. Combien de temps encore? Espères-tu pouvoir combattre dans ce corps primitif? Aïe. Jusqu'à la fin de la mission. Toi aussi, tu as dit ça avant. Il faut vraiment que t'arrêtes de vivre dans le passé. Merde, putain, faut que j'arrête de faire ça. Non, je viens de renaître. Mais plus fort que jamais. La force, c'est tout ce qui compte. Les faibles ne peuvent rien protéger. Continue comme ça, et il y aura plus grand chose à protéger. Hein? Tu l'aurais su autrefois. C'est là que tu te trompes. Je ne savais absolument rien. Oui, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Et elle m'a dépassé le maître. Moi, je l'ai bamboozle, mon pote. Arrêtez pas de le bamboozle. Je suis mort. Fais ce que tu as à faire. Oh.
Se lève. Le tue pas, tu n'en vaux pas la peine. Laïd, c'est pas maintenant, Laïd. Vas-y. Je t'ai bien formé. Léon. Attends, mais il l'a planté avec quoi, là? Avec le couteau ou sa bite? J'ai pas compris. Ah, le couteau, ok. Est-ce qu'on va le garder, le couteau? Les gars, on va le garder, le couteau, d'accord? Ouais, c'est à nous, maintenant. Garde. Ça, c'est sûr, Major. Elle jette même pas, hein, je vais te niquer. Ça, c'est sûr. Wouah, t'as vu ses lèvres, comment elle tremble? C'est ouf. Oh, couteau militaire, let's go. Bah, il y a plus de place. Bah si, rentre, Emma. J'ai pile poil de la place, maintenant. Vous êtes unique en son genre, conçu spécialement pour le combat à la lame et à la fois tranchante et très résistante. Oh, c'est encore plus résistant que ça? Les gars, allez, juste regardez ce qu'il y a sur le couteau. Est-ce que c'est pas un couteau qui m'est prédestiné? Oui, il est plus dur. Ok, le time. C'est qui le fils de pute qui baisse maintenant le truc? C'est maintenant que tu baisses le truc, c'est le bâtard. Je sais pas qui c'est derrière, mais t'es vraiment un chien. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je prends une petite verte en vrai. On a pour libérer un peu de place. Il est moins résistant. Ah ouais? Oh, balle de Magnum. Magnum. 4CO3, Magnum. Magnum. Est-ce que je le recharge? Est-ce que je le recharge? Les gars, est-ce que... Genre, attends, les gars, j'ai une question. Est-ce que si j'augmente la capacité de son chargeur, est-ce que le jeu me le recharge automatiquement ou pas? Non, ça marche plus ça, putain. Les chiens, ils ont nerf le truc. Les dogs. Ça remplit ton chargeur. Donc, on me dit ça remplit ton chargeur. Non. Café au lait, tu dis de la merde. Café au lait, si tout le monde me dit non et que t'es seul à dire oui, c'est que je pense que tu dis du caca. Non, ça remplit pas. Okay. Je veux confiance. Que tout le monde dit non, en vrai, je pense pas. Adieu, Krauser. Dis-le. Ça marche plus. Salut, Bergo. Ouais, dans ça marchait de ouf. Ouais. Je faisais que ça, en vrai. Alright, chat. Alright. Avant-dernier chapitre, guys. 3h30. Ouais, on attend de finir, en vrai. 15. Au 16. Nickel. YouTube. Prenez soin de vous. Attention à vous, on se voit bientôt pour la, du coup, chapitre 15 et 16, la finalité. Merci de vous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à très vite pour de nouvelles aventures. C'est Snaku, je vous aime!